Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, non seulement on a Richard, mon webmestre merveilleux qui s'en va à la retraite bientôt, mais qui est avec nous encore aujourd'hui pour toute la patente technologique du Zoom. Mais j'ai aussi Marie-Ève Sainte-Croix qui fait partie des récits et qui va m'assister aussi dans les après-cours pour prendre des notes, mais aussi, tu sais, apporter de l'eau au moulin. Tu sais, souvent, il y a des beaux outils technologiques qu'on connaît pas pour nous aider dans notre travail, pour proposer à nos élèves, mais tu sais, aussi nous supporter dans nos tâches. Fait que, elle va être là aussi, elle va avoir une oreille attentive, puis pouvoir nous proposer des choses là, quand elle va sentir là, une petite opportunité. Fait que, je ne sais pas, je passe du coq à l'âne, mais Maria, tu veux-tu nous dire un petit peu comment ça va, puis t'es qui surtout? Oui, je peux faire ça. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, Marie-Ève Sainte-Croix, qui travaille au récit dans un service national, vous avez dans chacune de vos régions administratives un service régional qui est associé au récit, donc une personne qui est mandatée pour la FGA pour votre région administrative. Et on travaille beaucoup en réseau, on travaille ensemble, on partage beaucoup de choses les uns avec les autres pour essayer de pas toujours réinventer la roue. Puis c'est sûr qu'avec les certaines communautés, on était peut-être un petit peu moins présent des fois au niveau du numérique, mais là, le numérique est en train de beaucoup s'élargir au niveau de la FGA, puis de sortir un peu du français, maths, sciences, etc. Fait que c'est une façon d'être là. J'ai pas forcément la réponse parce que je suis un petit peu moins terrain que mes collègues. Par contre, j'ai beaucoup de collègues à qui je peux poser des questions. Fait qu'effectivement, je vais être beaucoup là pour être à l'écoute. Si je sens que, oups, selon un certain besoin, ça prendrait, tu sais, il y a peut-être une solution ou une piste de solution numérique qui pourrait vous soutenir dans votre travail, bien, si je n'ai pas la réponse là, moi, je pars avec ça, je vais dans mon réseau, puis je vous ramène ça par la suite ou on vous le communique via voyons, le courriel et tout ça, là, quand on vous communique avec vous pour les communautés. Fait que c'est une autre façon pour moi de venir aider le réseau avec votre belle gang. Alors voilà, une belle découverte à faire, cette Marielle. Puis il y a bien toujours Karine Jacques qui est avec nous aussi, qui avait, dans le fond, là, qui s'occupait de la communauté pratique avant que j'arrive. Elle reste des nôtres, toujours aussi à l'écoute, faire les liens aussi avec qu'est-ce qui est les services éducatifs complémentaires, mais plus larges. Comment tu vas, Karine Jacques? Mais bien, mais si vous voulez pas de moi, hein, je vais m'en aller. Moi, je Ça veux me dérange toujours que tu sois là. pas. Mais non, c'est vraiment une belle nouvelle de pouvoir avoir de l'eau au moulin. Là. Donc, n'hésitez pas, que ce soit à moi, Martine, Karine ou Lucie aussi du côté anglophone. Nous, on est là pour répondre à vos besoins. Fait que n'hésitez pas. Je vous ai préparé un petit ordre du jour. Je ne sais pas, tu sais, si quand même on pouvait faire un petit tour d'écran, juste un petit comment ça va, comment ça se passe le retour des fêtes, slash grève, slash tempête, je sais pas. Comment ça va tout le monde? Chantal à Matane, ça va comment? La vie va vite. On s'est Ouais. remis dans nos patins. Ça n'a pas été long. La dernière fois que j'étais ça, je t'avais parlé, ben, on est dans notre plan de lutte à la violence. Donc, demain, je rencontre ma collègue, puis on devrait finaliser ça, OK. les formulaires et tout ça. Fait que tu devrais avoir de mes nouvelles peut-être dans le courant de la semaine prochaine, là. J'ai Parfait. regardé brièvement les recommandations que tu avais faites. Fait que c'est sûr qu'on va en tenir compte, là. Ça va énormément nous aider. Nous, ici à Matane, puis je sais pas, j'ai même pas regardé l'ordre du jour, là. Mais notre problématique, là, présentement, c'est les deux thématiques, le cellulaire et l'absentéisme. Ah, Voilà. OK. Donc, on Parfait. est là-dedans. C'est ça. OK. Je vais le noter. Ben, Maria, tu veux-tu nous le noter? Oui, tu es en train de le faire. Parfait. Regarde ça, comment tu es bonne. Merci. Si je Oui, peux vas-y, m'insérer, Richard. Martine, Ben oui, certainement. parce qu'hier, on a eu une rencontre avec les agents de raccrochage scolaire, puis je me demandais si, dans votre comment ça va, si vous avez eu à participer aux appels, aux contacts pour ramener les élèves en classe là, après le congé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués dans Faire cette une demande-là du relance, dans le fond, pour ministère, les ouais, faire élèves la relance, ouais, puis comment qui ne ça a sont été. pas représentés. C'est une bonne question, effectivement. Ça s'est-tu fait dans ta région, Chantal? Je te pose bien des questions, mais moi, j'aime ça finir une affaire, puis après ça, passer.
Non, ça ne s'est pas fait ici. C'est tombé. Des fois, ça tombe au bureau de la direction, mais ça ne descend pas jusqu'à nous parce que Ouais. c'est de même, là. Mais je n'ai pas eu connaissance de ça. Ça se peut que ce soit aussi là, un mandat qui est confié au SARCA là, ou à d'autres professionnels, mais est-ce que de manière générale, vos élèves sont de retour à l'école? Super. Parfait, merci. Puis juste aussi pour conclure avec Chantal, là, au niveau de l'absentéisme, Karine Jacques et moi, on se promène quand même un peu partout pour accompagner les milieux par rapport à ça. Fait que, tu sais, si jamais c'est un besoin, peut-être juste me relancer dans mon calendrier, là, tu sais comment faire maintenant. Fait Oui, que. on va travailler sur notre plan de lutte, puis après C'est ça va être ça. notre C'est ça. prochain C'est objectif. bien correct. Ben super, je suis contente de savoir que je pourrais avoir du soutien là-dedans. Merci beaucoup. Certainement, ça fait plaisir. Marie-Christine, comment ça va? Ben, ça va bien. Ben, moi, je me demandais, on a eu une grosse discussion en équipe par rapport au cellulaire en classe. Tu sais, je sais qu'il y a une politique qui a passé pour janvier dans les écoles secondaires, tout ça, puis on se questionnait. Je sais qu'il n'y a rien là, de concret par rapport aux adultes, mais est-ce que ça fait partie d'une réflexion? Bien, en fait, Karine Jean, que tu pourras compléter, mais il y avait quelque chose par rapport aux adultes. En tout cas, il me semble avoir vu, puis En là, c'est FP, c'est loin. clair, net et C'est précis. ça. Puis, il y a des centres de services scolaires qui l'ont interprété de différentes façons. Alors, c'est les flous mots en FGA-FP. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est pas mal tout ça tout le temps. Mais c'est que comment c'est libellé, là, la politique, là, c'est la loi, excuse, c'était que le cellulaire en classe, il est interdit là où on dispose de l'enseignement primaire et secondaire. Fait qu'il y a des centres de services scolaires qui ont dit, ben, on fait de l'équivalent du primaire et du secondaire, donc ça concerne la FGE. Puis il y a des centres de services scolaires qui ont dit que ben, la FGE était comme pas touchée là-dessus, puis c'était comme des adultes. Fait que voilà. Fait que nous, tu sais, c'est pas au service complémentaire à prendre la décision, mais c'est vraiment au ressources éducatives, services juridiques même, tu sais, de voir ça, mais on essaie de jauger avec l'orientation des centres de services. Moi, j'aime ça quand même, là, puis là, je suis peut-être bande à part, là, mais j'aime ça avoir la liberté de, comment je dirais ça, de choisir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis dans nos centres ou dans nos classes. Fait que, tu sais, d'avoir cette règle-là qui est comme uniforme, ben, moi, je sais que, tu sais, ça ferait des vagues aussi, tu sais. Mais est-ce que c'est possible, tu sais, compte tenu que ça, c'est sorti, tu sais, d'avoir ce règlement-là, est-ce que ça peut, par exemple, faire partie, tu sais, d'un levier pour resserrer un petit peu, tu sais, nos règlements à l'interne, comment on gère le cellulaire dans nos classes, tu sais. Moi, je pense que c'est un beau levier. Puis en même temps, le fait que ça soit pas strictement, précisément nommé que la FGA, c'est interdit dans les classes, ben, t'sais, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de souplesse dans comment on l'applique. En tout cas, à mon sens, à moi, il y a du bon et du moins bon, là, mais je pense qu'on peut le manigancer autour de ça dans la stratégie. Puis chez vous, Marc-Christine, est-ce que les élèves sont de retour sur les bancs d'école? Ben, à notre grande surprise, beaucoup de monde était de retour et on a eu une espèce de petite activité d'ancrage avec toutes les classes. On allait à la rencontre des élèves avec un petit goûter, tout ça. Mais les élèves étaient là, ils sont encore là, mais c'est difficile au niveau de la concentration, au niveau de l'engagement. J'ai jamais eu autant de pauses. De flânage, genre. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, les Oui. périodes de 2 heures, puis bon, on permet des petites pauses, mais là, il y en a beaucoup. Les élèves ont nommé que c'est dur de revenir, de se trouver des stratégies au niveau d'activer les petites fonctions exécutives, tout ça. C'est comme si on était au mois de septembre, là, un peu là, au C'est retour des ça, vacances hein? d'été. Oui. Parce que ça, vous avez eu un mois là, d'arrêt, là, pratiquement. Fait que c'est sûr, ça paraît dans le retour à nos habitudes, notre routine, etc. Là, je comprends. OK.
Fait que si vous voulez aller le rajouter, écrire comment ça se passe, un petit peu le retour, moi je vais relire ça aussi. Puis s'il y a des moyens qu'on peut vous soutenir avec l'équipe d'accompagnement national, on peut le faire, mais déjà, nous pister sur c'est quoi les problématiques du moment, si les élèves sont de retour ou non, qu'est-ce qui est facile, difficile, etc. Ça serait bien apprécié. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole aussi, je vous écoute. Ah, Marie-Pierre, oui. Ouais, ben moi, c'est ça, je vais faire un petit. Ça fait du sens que chez nous, tu sais, je vois quand même des centres de services vraiment beaucoup plus loin, là. Moi, je suis à Rivière-du-Loup, Saint-Pascal, La Pocatière. Puis c'est la même chose. Les élèves se sont réinscrits. Ben, tu sais, sont là, sont à l'horaire. Ils n'ont pas appelé pour annuler, mais faut avoir quasiment une petite police du flânage. On est dans les salles de pause, c'est assis, c'est installé. Des gens, des fois, que ça s'associait pas tant avec d'autres, on est comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est là, c'est assis, c'est difficile en classe. Beaucoup d'absence aussi. Bon, ben, je serai pas là, je m'en vais des départs. On fait comme, ben voyons donc. Mais, tu sais, avec la grève, avec tout ça, ça a fait que plus est arrivé Noël, fait qu'on a eu comme de la misère à les garder un peu. Puis au niveau du cellulaire, nous, c'est quand même particulier. Tu sais, comme tu disais, moi, je suis dans trois centres, puis j'ai deux façons complètement différentes de le gérer. J'ai deux centres au Kamouraska qui sont deux petites écoles. Puis les deux petites écoles, eux autres, ont fait, ben nous autres, on gère ça comme au secondaire. On prend cette loi-là. Puis on fait comme si c'était chez nous aussi. Fait que pas de cellulaire parce que l'année dernière, c'était épouvantable le cellulaire dans ces deux centres-là. Honnêtement, on est revenu que là, les élèves ont posé des questions, ça travaille mieux. Il y a quand même une belle amélioration depuis qu'il y a ça, mais c'est quand même bien gérable parce qu'ils sont deux, trois, quatre profs par centre. Fait qu'eux autres, ils se parlent, on applique ça ensemble, c'était le mot d'ordre, fait que ça s'est installé très facilement. Pour Rivière-du-Loup, c'est autre chose. Ils l'ont pas mis comme ça et le cellulaire est un méga problème. Puis là, tu sais, des fois, c'est ça. Ça crée les petites guerres que les écoles se comparent entre eux Mais autres. oui. Nous, on a ça. Vous autres, vous avez pas de problème, mais c'est ça. Fait que c'est quand même très problématique, le cellulaire pour nous, là, à Rivière-du-Loup. Là, ça fait partie de nos défis. C'est là que Cosmos s'est beaucoup impliqué là-dedans, là, santé mentale positive, temps d'écran, autant dans le Kamouraska que dans Rivière-du-Loup. C'est des choses qu'on veut proposer. T'sais, on a vu justement, il y a la journée des Pose TIC ton là, qui écran. s'en vient. Ah, OK. Fait que, t'sais, il n'y avait pas eu d'appel d'atelier encore, mais nous, on l'a proposé parce que t'sais, nos profs sont difficiles à sortir pour une formation puis tout ça. Fait que on l'a comme proposé que là, tout le personnel, autant le soutien, autant les profs, autant que les professionnels auraient accès à cette formation-là sur le temps d'écran pour outiller un peu parce que sinon, ça finit toujours dans notre cours. Fait que, bon, ben, va voir Marie-Pierre pour ça, oui, mais il y a peut-être quelque chose d'autre à faire. Oui, tout à C'est fait. un Puis, peu ça qu'on essaie de travailler. dernièrement, ça me donne l'idée, là, justement, peut-être d'un webinaire ou tu sais, d'inviter quelqu'un, mais je pense pas que c'est la fondation. L'organisme Ciel qui existe, et j'ai assisté à une de ses conférences dernièrement où justement, on parle de comment on peut encadrer l'utilisation du cellulaire dans la vie, là, Parfait. incluant le mien. Et pour vrai, tu sais, ça nous fait se remettre en question aussi par rapport à notre rôle de modèle, hein? C'est ça. Puis je sais pas, tu sais, est-ce que ça, c'est le genre de truc, j'imagine, ça doit coûter des sous, mais on a des sous pour les webinaires. Est-ce que ça serait le genre de truc que vous seriez intéressé à, on fait des pouces en l'air, OK? J'ai mis en Martine en 2021. C'est une des premières conférences que OK. j'ai données avec Ciel, justement, OK, parfait. Puis sur est encore hyper disponible? connectée. Oui, je viens de mettre le chat, le chat. Je viens de mettre le lien pour OK. le revoir. Tant les activités. Puis il donne plein de liens pour des activités à faire. Puis j'avais vraiment fait la sélection d'activités qui répondaient aux adultes. OK, C'est parfait. super intéressant. Fait qu'on va le mettre, Marie-Ève, dans
dans les notes, vous pourrez aller regarder ça, tu sais, si quand le temps sera opportun, chacun chez vous, là. Mais OK, super, merci, Karine. Good, good, good. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Gabrielle? Salut, Gabrielle. Ben bonjour tout le monde. J'ai pas entendu tous les débuts des tours de table. J'ai eu un problème de connexion. J'attendais quelques personnes. Fait que juste rapidement pour dire, là, suite à ça, nous, on est les chanceux qui ont peut-être eu seulement 8 jours de grève, là, pour tout le monde. Autant nous, c'est tout le monde avec le front commun. Autant profs, professionnels et soutien. C'est sûr que bon, fait qu'il y a moins d'impact au niveau du reste, là, puis c'est sûr que les élèves sont là. Les enseignantes, ce qu'ils nommaient au niveau du régulier, intégration sociale, ça c'est correct, là, ils viennent, là, c'est plus géré différemment, mais au niveau du régulier, des petits centres, au niveau de l'assiduité, il y a un retour, un relâchement, on sait bien, là, ceux qui avaient cette problématique-là avant et qui avaient des choses de mises en place, ben c'est juste revenu, le naturel est revenu, donc il faut comme tout remettre en place, mais on n'a pas perdu tant d'élèves, puis c'est correct, là, parce que bon, c'est quand même simple pour ça. Par rapport au cellulaire, nous, ce qui a été décidé, c'est de ne pas appliquer, c'est de ne pas mettre l'interdiction au niveau du secteur adulte. On a juste eu l'info comme ça de notre directeur, lors d'une rencontre. Moi, je voulais en discuter, je voulais voir justement, comprendre. Puis, fait que j'aime bien, c'est Marie-Pierre, ben, j'aime beaucoup Marie-Pierre, mais je voulais dire les propos de Marie-Pierre, excuse, à entendre que dans certains petits centres, oui, d'autres non. Je sais que ça peut faire certaines problématiques. Mais c'est un lien aussi avec une de nos préoccupations en ce moment, c'est qu'on a un petit centre, nous étant moins de 30 élèves, là, vous, c'est probablement moins en bas de 200, là, mais nous, en bas de 30 élèves, un centre en périphérie de Val-d'Or où on a, j'appelle ça ma gang d'adolescents, là, c'est des 16-24, 16-18, ils sortent du secondaire, ben là, le secondaire dit, bah, ben là, ça marche pas, ils s'en viennent tous là. Ils pensent que c'est pareil, ils habitent chez le parent, ils viennent, sont obligés. On a énormément de comportements là, à gérer, des règles de vie à remettre en place, là, que les gens sur place ne comprennent pas trop ce qui se passe, puis bon, etc. Vous comprenez un peu le principe. Donc, tu sais, et de gestion du cellulaire. On a beau leur dire, on fait des blagues, ah, 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 je suis rendue, moi, quand je fais des animations, je négocie, ils me trouvent bien drôle, j'arrive avec mes suçons, puis ah, ah, je négocie un suçon en échange du cellulaire dans le petit panier en avant jusqu'à la pause. Puis après la pause, Pas bête, ça. ils répondent, ils checkent, j'ai beau leur dire, on reste dans le positif. Fait que le prof, dans l'individuel, c'est l'enfer aussi. Fait que même quand je fais ça, là, j'ai une étape, il faut que je me ramène une batch de suçons pour après la pause. Et on est vraiment en train de gérer ça, là. On remplit l'oral pour permettre la dopamine. En tout cas, bref, on est dans les fonctions exécutives en plus. C'est extrêmement pénible. Donc, c'est sûr que, puis c'est ce que je voulais proposer, puis Martine, tu l'as nommé un peu, c'était en deux temps. Oui, si possible, une belle idée, ça, une proposition, tu sais, au niveau de la, j'ai dit faire venir quelqu'un, tu sais, gestion des écrans, ou voir un peu, mais ça, j'en ai vu beaucoup, j'ai assisté à beaucoup de choses, j'ai essayé de, mais tu sais, en contexte, de vraiment, tu sais, appliquer dans le cadre d'un après-cours avec vous autres, et de voir, oui, c'est beau ça, mais en contexte scolaire, individualisé comme ça, adulte, en contexte, de vraiment pouvoir nommer comme ça, parce que c'est beau, il y a des belles choses des fois, mais tu sais, quand tu es un adulte de 22, 23 ans, on gère ça, tu sais, c'est différent d'un jeune de 16 ans, en tout cas, bref, ça, ce serait hyper intéressant. Puis même si avant, par Martine ou Karine, tu sais, une présentation aussi de. Parce que, à moins que je suis la seule, peut-être qu'il ne l'a pas eu, envoyez-moi juste un lien, là, je vais être autonome dans mon apprentissage professionnel, là, mais tu sais, quel est le règlement, c'est quoi, en quoi ça consiste, puis comment justement que ça pourrait être appliqué, avoir un peu un portrait, ça peut aussi donner des outils pour. Moi, ça ne se fait pas automatique, hein, je vous ai dit, il n'y a rien ici, fait qu'il faut que moi, je fasse ma nouille sympathique, j'amène quelque chose à la direction, tout ça, fait que ça serait extrêmement intéressant d'avoir minimalement les infos. Je pourrais être très autonome, là, sinon, si les gens trouvent que c'est une bonne idée d'en discuter, ça pourrait faire un beau sujet, je trouve, là, d'une de nos Tout à discussions. fait. Puis, c'est ça, bref, dernière chose, j'ai un autre de mes grosses affaires présentement, c'est au niveau du plan de lutte. L'ajout, là, tout ça, harcèlement, là, bref, là, la direction, m'avait dit, c'est correct, laisse faire, je m'occupe de ça. Puis là, ça vient de me revenir, fait que là, je devais communiquer, voir, aller vérifier, y a-t-il quelque chose, les ajouts à faire, on a notre plan de lutte, juste ajouter. Des choses à ajouter, puis fait que, bref, Bien, si tu peux me bravo pour le bloquer un monde. moment dans mon calendrier, Gabrielle, j'accompagne quand même pas mal de centres de services scolaires, justement, là, directement dans le plan de lutte, parce que c'est bien difficile de donner une liste un peu toute faite. T'sais. Moi, j'ai ma liste d'idées,
sais, c'est juste que de la partager comme ça à Non. froid, ça ne va pas nécessairement cadrer avec le milieu, ça ne va pas cadrer avec votre réalité. Fait que j'aime mieux qu'on ait une discussion, puis ça va me faire plaisir de l'avoir avec toi. Je vais Mais mettre si c'était là. une proposition aussi, tu sais, dans un des après-cours, dans une de, il Ben pourrait oui. avoir aussi, tu sais, plan de cours un peu, il y a neuf, il y a 8 ou 9 parties, là, nécessaires. Fait que pour chacun, juste un peu d'avoir comment ça pourrait être ajouté, tout ça, ou comment, tu sais. Et là, chacun est entre nous, ben, très autonome, en autodétermination, puis on termine ça Est-ce dans le que, fond en parce que faisant moi, ça. là, Ça serait bien. Je m'étais. j'avais l'impression que le plan de lutte était pas mal complété, envoyé pour tout le monde parce que les délais sont dépassés, là. Mais est-ce que, de manière générale, peut-être juste me mettre un pouce en l'air si c'est un besoin, tu sais, pour tout le monde, ça va me faire plaisir de le donner dans le prochain après-cours ou de faire un après-cours extraordinaire. Pour juste parler de ça, tu sais, de se faire un moment où je peux être en soutien, puis que, tu sais, chacun pose leurs questions. Fait que si c'était possible, dans les réactions, me mettre un petit crochet vert, un cœur, là. Je vais dire crochet vert. On voit tout ça, là, le crochet vert. Si c'est un besoin pour tout le monde. Comme ça, moi, ça va me dire, tu sais, on se fait un moment de ça. OK. Ben, je pense que ça serait pertinent. Je vais nous faire, parce que là, le prochain après-cours est loin, hein? Fait que je ferais peut-être une invitation hors après-cours pour faire ça à ceux qui sont intéressés. Ouais, sous forme de petit webinaire, là, ou peut-être juste, tu sais, sous forme de petite clinique improvisée. Moi, je vais vous présenter les différentes sections, puis on pourra échanger ensemble, là, parfait. Fait que je vais faire ça bientôt. Et pour ce qui est aussi du cellulaire, je vais ramasser quelques données pour peut-être justement là, présenter quelque chose pour le prochain après-cours. Ça, c'est peut-être un peu moins urgent quand même. Je vous mets les ressources du site NOM, Oui. qui est du récit développement de la personne citoyenneté numérique. Il y a plein d'activités clés en main qu'on peut faire avec les élèves en groupe. Fait que je crois vraiment que votre présence dans les classes serait intéressante et pour les profs et pour les élèves. Fait que, puis ouvrir la discussion, tu sais, c'est plus ça, là, parce que les profs sont désespérés, puis ils n'osent pas tant parler. Fait que, ceux qui ont utilisé les activités du site NOM, ils apprécient grandement. Je vous les mets dans le clavardage. Parfait. Fait que, Tiguidou, merci. Très riche comme échange. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient prendre la parole? Parce que moi, tu sais, c'est ça, là, j'ai des petits trucs à vous présenter, mais ça va aller assez rondement, honnêtement, là. Donc, nous, le plan de relance a été fait personnellement par les enseignants d'envoyer un Teams personnel à nos élèves de. On sait, la grève, nous, on en a été quand même dans le gros de la gang qui ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de grève. Effectivement, même problématique que les autres. Difficile à aller rechercher. Certains sont partis sur le marché du travail. Ceux qui sont ici, flanage, mobilisation qui est très difficile. Au niveau des cellulaires, je ne sais pas si je vous l'avais nommé, mais nous, on est des fois avec des problématiques qui ont, sont avec 2 puis 3 cellulaires. Donc, ils en déposent un dans la pochette, mais ils en restent un fonctionnel. Ça, c'est autre chose. Donc, Hallucinant. ouais. Puis au niveau tu sais, notre gang de 16-24, comme tu disais, Gabriel, écoute, que ce soit des statistiques, que ce soit des pourcentages, whatever, ils sont dans une période de développement de oui, mais pas nous. T'sais. Fait que il y a des. J'avais entendu parler de genre de plus de défis. Style, si tu mets ton téléphone puis que tu n'as pas de téléphone, tu as un coupon, puis il met ça dans la boîte, puis un genre de challenge de gagner quelque chose, un genre de pyramide d'une classe contre l'autre classe, que le plus de gens pas sur leur selle. Ça va accrocher parce que c'est plus ado, défi, quelque chose à gagner, tout ça. Donc, on tassait le cellulaire dans le sens du temps, puis le pas bien pour toi, puis tout ça. Fait qu'on a tout éliminé ça. Fait que c'était dans les propositions que moi j'avais vues, là. Fait que je vous le lance. C'est pas très compliqué, mais des fois, un petit budget, carte cadeau de quelque chose. Puis, des fois, ça allait vite, indépendamment de vos clientèles, là, par rapport à la compétition, par rapport à nombre de choses à gagner. Fait que je vous laisse ça là-dessus. La FP, nous autres, je vous dirais qu'il y en a une gang qui ont abandonné en échec. Et présentement, on est sur un fil raide en formation professionnelle avec plein de formations qu'on s'envoie en évaluation. Donc, on est parti en grève en disant, là, quand vous allez revenir, on fait un petit wrap-up. On est dans le milieu de nos heures. On va essayer de vous donner l'essentiel. On a des formations qui avaient 5 heures, sont montées à 6 heures par jour
pour être capable de rattraper le temps. Il va y avoir des cours pendant la semaine de relâche pour certaines formations. Puis là, les profs nous ont dit, ben là, ça passe, ça casse, parce qu'il y en a qui avaient déjà de la difficulté malgré ce qu'on a mis en place. Les évaluations tombent cette semaine, la semaine prochaine. Donc, on va avoir l'effet du tsunami, là, de savoir finalement ça a été quoi les retombées. Parce qu'on en a beaucoup, beaucoup qui sont partis. Ils étaient sur le milieu et on a une autre gang, nous autres, secrétaire, comptabilité, santé, les stages. Ils arrivent en fin de formation et c'est les stages qui ont été bloqués. Donc là, c'est les stages qui ont, mais est-ce que le temps d'arrêt, puis là, ils ont repris le stage sans avoir un genre de résumé ou de wrap-up, va faire des dommages? On ne le sait pas encore, on n'est pas encore là, mais on est en train de le vivre. Là, j'ai beaucoup de secrétaires de comptabilité qui sont en stage dans des écoles ou dans des milieux hospitaliers, que tout a été fait. Les effets ont tombé aussi là-dessus. Nous, là, c'est un petit peu ça là, qu'on vit. Moi, j'ai fait le tour FPFG. Hey, merci beaucoup. Hey, fait que définitivement, les cellulaires, c'est un enjeu partagé. Caroline. Salut, Caroline. Moi, j'étais en FGA il n'y a pas si longtemps. Puis, mon Dieu, là, j'étais en FP. Ça ne manque pas la gestion du cellulaire. C'est clairement quand même assez différent chez ici, la manière. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des élèves qui perdent beaucoup de temps là-dessus, mais il y a comme une émulation naturelle qui réalise vite, qui perdent du temps d'enseignement. Fait que c'est ça. C'est comme si, puis là, bon, c'est un petit peu plus condensé, bien que les enseignants ont tenté de ne pas trop les presser comme des citrons, mais il y a du rattrapage, il y a eu de la récupération pour certains, puis là ça part, c'est bien parti. Chez nous, ça s'est décalé plutôt que d'embarquer sur la relâche. Évidemment, ça, pour certains, de penser avoir terminé leur formation à tel mois, là, ça repousse encore de 5 semaines. C'est pas tout le temps des bonnes nouvelles. Il y a eu effectivement quelques abandons quand même dans chacune des. Presque dans chacune des formations qu'on a. Fait que c'est le côté un peu négatif de tout ça, mais cellulaire, ça ressort pas. Mais tant mieux. Puis tu sais, c'est ça, c'est que tu l'as un peu nommé, hein, c'est que il y a comme une émulation naturelle, que tu sais, le cours y avance. Là. Toi, si tu restes pris là, tu vas tout manquer. T'sais. Fait que c'est ça la grosse différence en FP puis en FGA. Puis j'imagine que c'est aussi pour ça que dans le règlement qui est sorti par rapport au cellulaire, il inclut la FP formellement, là, parce qu'il y a plus de cours magistraux qu'en FGA. OK, merci. Richard. Ben, la situation que tu viens de nommer me dit que pour, en tout cas, là, je parle avec Marielle, Jean-Marie Marielle, pour les récits, c'est une opportunité d'appuyer des profs pour faire des capsules, pour monter des capsules ou des ressources en ligne pour aider les élèves qui ont soit été absents, comme ici, c'est beaucoup de temps. Là. Je sais que il y a quelques années, j'avais été en FP en bricolage, puis j'avais filmé avec le prof qui donnait une leçon, donc c'est pas plus de temps pour les profs, là. J'ai filmé le prof en train de donner des leçons en briquetage. Et là, j'ai mis ça sur un site web. Les élèves qui manquaient soit une période ou qui avaient besoin de récupération, allez voir ça. Donc, je pense que ce serait une opportunité pour ces profs de dire, OK, voyez-vous ce qui s'est passé? Vos élèves ont manqué du matériel, ont besoin de le faire. Ils pourraient le faire de façon autonome. C'est sûr que ce n'est pas pour tous les programmes. Certains programmes en profitent, je pense. Parfait. Merci, Richard. Est-ce que tout le monde a accès à l'ordre du jour? Parce que c'est là-dedans que j'ai mis, dans le fond, là, tous les liens que je vais vous présenter dans les prochains points. Là, vous me direz si vous aimez la formule ou vous n'aimez pas la formule, mais comme, dans le fond, là, les dossiers prioritaires de mon mandat sont le climat scolaire, la promotion de la santé mentale puis la prévention du suicide, je nous ai mis ça là, comme ça. Donc, puis, tu sais, je dis que c'est mon mandat, mais j'ai l'impression que c'est vos priorités aussi là, dans les centres en tant qu'intervenants psychosociaux. Là. Donc, je me suis dit que ça faisait un peu de sens là, de le faire comme ça. Puis, bien à vous là, de me faire des commentaires par rapport à ça aussi. Je vais m'ajuster. Je partage mon écran. Climat scolaire, c'est ça. Là, il y avait quand même beaucoup de choses que j'ai trouvées en lien avec le plan de lutte, justement. En fait, ça l'aidera à bonifier là, ce que vous avez déjà en place. Mais
tout frais, il y a l'Institut de la statistique qui a sorti le portrait de l'intimidation, de la cyberintimidation au Québec, donc 2022. Et ça a été réalisé quand même là, sur 21 000 et plus personnes âgées de 12 ans et plus. Fait que c'est ça. Dans les faits saillants ici, on retrouve quand même là, t'sais, des chiffres qui nous concernent. Donc, t'sais, 18 à 24 ans, on voit que t'sais, c'est quand même très faible comme pourcentage, là, mais on a quand même quelques données par rapport à nos milieux. Je trouve ça intéressant parce qu'habituellement, on n'a jamais de lecture par rapport à nos centres FP ou FGA. Là, tu sais, j'ai l'impression, tu sais, que dans école primaire et secondaire, ils ne sont pas parfaits encore, là. Mais j'ai l'impression que dans école primaire, secondaire, il y a peut-être de la FGA qui se retrouve là-dedans, parce que sinon, tu sais, on passe tout de suite à école des métiers ou de formation professionnelle, comme si, tu sais, la FGA était comme un peu sortie du portrait. Fait que j'ai comme tendance à dire qu'elle se retrouve là. Fait que bref, je vous invite à aller le consulter si ça vous chante. Le lien est là. Peut-être qu'il y a des trucs intéressants que vous allez sortir. Mais tu sais, c'est ça, on a le contexte scolaire, le contexte de travail ou autre, là, plus les sports, les loisirs. Alors voilà. Puis c'est par rapport à plusieurs caractéristiques là, de la diversité humaine, comme dirait notre cher Carl Baudouin. Donc, voilà. Fait que je vous ai laissé ça là, première affaire. Ensuite de ça, un peu de matériel pour intervenir par rapport à la cyber-intimidation qui a été développée par le ministère de la Famille et qui, je trouve, pour une fois, concerne vraiment plus nos élèves à nous. Okay? C'est sûr que il n'y a rien de parfait en ce monde, mais c'est des petites capsules, puis je ne sais pas, peut-être que vous les connaissez déjà, mais c'est des petites capsules très, très courtes de 16 secondes qui peuvent mener à une discussion, à une réflexion par la suite. Je vous en ferai écouter une. Un, deux, trois, test. Oh, tu te caches derrière un profil de cobra pour venir intimider le monde? Ouais. Avec ta vraie face, es-tu aussi baveux? C'est ça, je pensais. C'est très tranchant, OK? C'est très tranchant. Est-ce qu'on répond à la violence par de la violence? Moi, je pense qu'il y a des beaux leviers puis des belles discussions qui peuvent partir de là, OK? C'est sûr que c'est pas, là, tout beau, tout emballé, puis là, on est vraiment, là, ben non, faut pas que tu dises ça, c'est pas gentil, c'est pas... Mais, moi, je trouve que c'est très représentatif de notre réalité. C'est de même que ça se passe. Fait que ça peut amener des super belles discussions. Il y en a quatre de ces vidéos-là. Puis là, j'en ai vu d'autres aussi là, qui sont de vieilles campagnes, mais qui sont aussi à saveur un peu crunchy. T'sais. Fait que moi, je trouve que ça peut très bien inspirer des petits ateliers de cyber-intimidation. Et c'est à notre image, l'image des adultes. Puis en tout cas, moi, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête quand je vois ça, là. Il y en a de différentes affaires. Il y en a que c'est un parent qui fait de la cyberintimidation, etc. Fait que, ben intéressant. Ensuite de ça, toujours plan de lutte pour garnir vos actions, vos moyens. Un atelier de réalité virtuelle, Jasmin Roy. Avec la Fondation Jasmin Roy, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Juste me faire un petit oui-non de la tête, peut-être. Non? Bon, ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Dans le fond, ils ont des budgets là, pour se promener à travers le Québec et donner. Je me suis informée, je me suis dit, bon, c'est-tu juste l'île de Montréal? C'est-tu. Non, ils ont vraiment des budgets pour cet atelier-là. Ils peuvent aller là, dans les régions, etc., et amènent leur casque de réalité virtuelle. Et on est, dans le fond, dans une pièce.
OK, on est un participant à une scène. Et dans cette scène-là, on est témoin de quelqu'un qui se fait intimider ou qui vit des gestes de micro-agression par rapport à soit son orientation sexuelle, par rapport à son identité de genre, etc. Fait que je trouve ça super intéressant. Là, j'ai juste mis le lien YouTube qui explique un peu le making-of. Mais je vais aller déposer toute l'information. Il m'a fourni là, tous les dépliants et tout ça. Donc, vous pourrez aller voir. Je vais juste vous faire la petite intro. Aujourd'hui, on est sur le plateau de tournage d'un nouveau projet de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais dans la peau d'une personne LGBT. Donc, on est en train de filmer des scénarios qui sont vécus souvent par des personnes LGBT. On a choisi la réalité virtuelle pour plonger les gens dans des situations vécues dans la vraie vie. Et l'avantage de la réalité virtuelle, puis il y a beaucoup de recherches maintenant qui sont venues démontrer ça, c'est que ça stimule l'empathie cognitive. Vous pourrez aller le voir parce qu'il donne quand même des exemples de scènes qui ont monté pour faire la réalité virtuelle. C'est quand même super intéressant. Puis, encore une fois, c'est avec des adultes. Donc, ça aussi, là, quand tu sais, souvent, on cherche des affaires pour le secteur adulte. C'est tous des trucs un petit peu secteur des jeunes avec des enfants, avec des adolescents qui passent semi pour notre clientèle. Bien là, c'est encore avec la clientèle adulte. Fait que super intéressant. C'est gratuit, puis ils se déplacent partout au Québec. OK? Je vous mettrai là, après la rencontre là, toutes les informations puis les documents là, si vous voulez aller le consulter. Si jamais vous les faites venir dans votre coin, j'aimerais ça savoir comment ça s'est passé. Parce que tu sais, c'est sûr que moi, je n'ai pas de feedback à ce niveau-là. Je vous le lance. Moi, je ne peux pas tant l'expérimenter, donc je ne peux pas là, dire à d'autres, hey, ça s'est super bien passé, c'est le fun, faites-les venir. Mais si jamais vous les appelez puis ils se rendent chez vous, peut-être juste me faire un petit suivi là. Hey, c'est super, Martine, ou non, parle-en plus jamais. Ça marche? Ensuite de ça, vos directions générales ont reçu un bulletin, ça s'appelle le bulletin des DG, etc., dans lequel il y avait un lien d'une formation de 1 heure pour les préventions et interventions en matière d'intimidation, de violence en milieu scolaire. Okay? Ce n'est pas la formation qui va être obligatoire pour les membres du personnel. C'est une formation qui est là en attendant. Okay? Là, on a eu une rencontre ce matin avec le ministère de l'Éducation qui nous dit que les formations vont arriver plus vers mars 2024. Hein, là, la dernière fois qu'on s'était parlé, je vous avais dit, on va avoir un beau cadeau en dessous du sapin, décembre, les formats. Ben non, qu'est-ce que tu veux? Je vous ai menti sans le savoir. Mais là, on me dit mars 2024. Fait qu'on va se croiser les doigts que ça l'arrive. C'est ça, on l'attend avec impatience. Fait que cette formation-là que vos DG ont reçue, juste une petite mise en garde, ce n'est pas la formation obligatoire qui va être déployée par le ministère de l'Éducation. C'est juste une petite formation en attendant parce qu'il y a des milieux pour qui ça devenait urgent d'avoir de la formation. Et comme il y avait ça qui existait, ils l'ont poussé dans le réseau, mais c'est pas là celle qui va être obligatoire. Fait que c'est ce qu'on a pour le climat scolaire. Ensuite, promotion de la santé mentale. Il y avait 2 petits points que je voulais vous partager. De plus en plus, on va parler là, de l'apprentissage socio-émotionnel, des compétences socio-émotionnelles dans nos milieux. Je voulais vous attirer votre attention parce que, en fait, il y a un nouveau guide qui est plus sur le site. Ça, c'est fin. C'est fin, fin, fin. Bon, il était là, je vous le jure. Je vais le retrouver. Mais en fait, c'est le guide qui a été développé par Claire Beaumont et son équipe, qui est disponible en ligne. S'il ne l'est pas, je vais vous mettre le lien PDF dans le document. Là, j'ouvre celui pour le secteur des jeunes, là, vraiment, tu sais, comme primaire. Mais c'est la même chose qui est disponible
pour adolescents et adultes. Ça va jusqu'à 25 ans, le guide. Je vais vous le déposer. Il y a quand même, par rapport au stade de développement, par rapport à l'âge, ce qu'on devrait développer, à quel âge dans nos compétences socio-émotionnelles. Moi, je trouve ça intéressant de le savoir. Plein d'autres moyens aussi pour soutenir cet apprentissage-là de nos élèves au quotidien, dans nos milieux. Oui. Lise, ici, excuse-moi. Fait que je te laisserai partager, si tu peux nous faire ça, Marc, ça serait fin. C'est bel et bien ça. Oui, exact. Super. Fait que si tu avances dans les pages, on a à un moment donné un beau tableau. OK. Donc, je fais juste petite vite, partie 1. Comprendre ce qu'est l'apprentissage socio-émotionnel et soutenir le personnel scolaire. Exact. C'est celui-là ici. Bon, puis à l'autre page, donc tu as la section émotionnelle, sociale, puis le dernier en bas aussi, là, cognitive et morale. Puis quand tu vas sur l'autre page, on a quand même une section 14-17 et 17 à 25-30 ans. Donc, tu sais, on a quand même des éléments pour notre clientèle, pour notre groupe d'âge. Puis dans les moyens pour soutenir aussi après, il y avait quand même certaines choses qui pouvaient très, très bien cadrer avec notre clientèle. Ah, tu as retrouvé le lien, toi, Richard? Oui, je l'ai mis dans Bon, l'ordre du jour. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça peut être un bon document sur lequel on peut s'appuyer si on veut justement développer des ateliers pour les compétences socio-émotionnelles ou juste être au fait de ce que sont les compétences socio-émotionnelles, comment on peut les mettre à profit aussi dans nos milieux. Fait que je vous déposais ça là. L'autre sujet par rapport à la promotion de la santé mentale, c'est le référentiel bien-être. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans vos milieux, mais dans le plan stratégique du ministère de l'Éducation du Québec, il y a un indicateur qui est que tous les établissements scolaires d'ici 2027 auront rempli le référentiel bien-être. Okay? Beaucoup de centres de services scolaires l'ont inclus dans leur PEVR aussi. Je pense notamment au CSSMI aussi dans le PEVR. Je sais que Marguerite Bourgeois aussi, je crois que c'est dans leur PEVR, si je ne me trompe pas. Dans les faits, là, cet indicateur-là, malheureusement, est vraiment un indicateur plus administratif. Donc, le référentiel, moi, un référentiel, quand j'entendais parler de ça, j'étais comme, OK, ben, tu sais, ça va être un document avec lequel qu'on va pouvoir utiliser pour mettre en place des moyens pour favoriser le bien-être dans notre centre. Non, non, non. C'est pas ça. Donc, c'est un questionnaire d'environ 33 questions. Là, pour le moment, je ne peux pas révéler le contenu parce que c'est pas encore là, passé par toutes les strates d'approbation du ministère de l'Éducation, mais je travaille avec une équipe du MEC là-dessus pour que, tu sais, on n'oublie pas le secteur des adultes. Hein? C'est bien fin. Donc, c'est un questionnaire, comme je vous disais, qui va être envoyé aux directions des centres. Les directions d'établissement, là, centre FP, centre FGA, tout le secteur jeune aussi. Et dans le fond, la direction a comme mandat d'avoir complété ce référentiel-là d'ici 2027. Ils ont le temps. Hein? Puis il n'est pas sorti encore. Donc, on a un peu de temps aussi pour nous préparer. Ce que ça va faire, ça, c'est que ça va donner un portrait du niveau de bien-être dans notre établissement. Ce qui est dommage un petit peu par rapport à ça, c'est que il n'y a pas vraiment de mécanisme de suivi à part l'avoir rempli. Hein? T'sais, si, par exemple, un centre complète son référentiel, alias son questionnaire, et que le niveau de bien-être est très faible, bien, il ne lui sera pas demandé de mettre en place des moyens pour rectifier le tir. OK? Fait que
Ça va être, je ne vous mets pas ça sur les épaules du tout, là, mais ça va être à l'équipe école, puis au centre, d'être un petit peu proactif par rapport à ça, puis d'être très autonome aussi dans la mise en place de moyens pour aussi le niveau de bien-être dans les établissements scolaires. Donc, je vous le donne, cette information-là, pour que vous soyez un petit peu alerte, puis vous l'ayez en arrière de la tête, pas trop loin. Ça s'en vient dans nos milieux. Je ne sais pas d'ici, Science, hein? je dis rien, je ne sais pas quand ça va sortir. Ça dépend toujours de comment ça descend, puis ça remonte, puis ça descend dans les strates d'approbation au MEC. Mais si vous voulez être proactif, par exemple, ce que je peux partager avec vous, c'est le cadre théorique qui a été utilisé pour déployer, pour développer ces questions-là. Donc, le cadre théorique, c'est pas compliqué, c'est quatre documents qui ont été utilisés. T'sais, ils ont fait une très, très grosse là, recherche, revue de littérature, etc., par rapport à tout ce qui englobe le bien-être dans les milieux scolaires. Ils se sont basés sur quatre documents par la suite pour vraiment aller pondre les questions. Donc, bien entendu, il y a les documents de Claire Beaumont qui sont là-dedans. Donc, il y avait deux documents de Claire Beaumont. Il y avait les huit corrélats sur les écoles efficaces qui ont été utilisés et le référent équipe, donc les sept compétences qui composent le référent équipe. Fait que, t'sais, ça, si jamais dans vos centres, vous entendez parler de ça, si il y a quelque chose qui se met en branle, un comité pour se pencher sur le bien-être, etc., n'hésitez pas à me contacter si vous voulez de l'information, tout ça. T'sais, je te vois aussi, Marc, si jamais une petite présentation au secteur de la santé avec les agents de proximité, si jamais ça peut être intéressant, je suis disponible aussi pour faire ça. Il y a déjà des centres de services scolaires là, qui m'ont approché là, pour parler de ça parce que bon, ils veulent être proactifs puis faire en sorte que quand le référentiel, alliance le questionnaire, arrive, ben, leur niveau de bien-être soit déjà là, un peu rehaussé puis qu'il n'y ait pas une mauvaise note dans leur bulletin. Fait que voilà. Fait que ça, c'était pour le référentiel bien-être. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça? C'est quand même très, très nouveau. Ça va. De toute façon, vous savez où me joindre. Je ne suis pas très loin si jamais vous avez des questions qui surgissent là, après la rencontre. Mais je comprends Oui. peut-être juste une petite clarification. Donc, ce questionnaire-là, ils vont le devoir le remplir une seule fois, Une seule fois. même si ça va durer sur 4-5 ans, là. C'est parce que, dans le fond, dans la cible de cette. C'est une bonne question. Dans la cible de cet indicateur-là, le ministère de l'Éducation donne le temps au milieu. T'sais, de ben, premièrement, de déployer ce référentiel-là et d'y répondre. La première cible pour la fin de cette année-ci, c'est que 25 % des établissements scolaires est rempli. Après, on passe à 50, 75, 100. C'est pour ça que c'est étalé jusqu'en 2027. Mais ça se peut que ça prenne plus de temps à arriver en FP, en FGA, on sait comment c'est, hein, la communication dans nos milieux. Donc, c'est pour ça qu'ils se donnent jusqu'en 2027. Mais très bonne question. À part de ça, je sors dans la prévention du suicide, en fait, pour vous dire que le ministère de l'Éducation avait là, ben, là toujours, a une cible de formation des sentinelles en milieu scolaire. Il y avait plusieurs groupes d'ici la fin de notre année scolaire en cours. Tous les groupes sont complets. Donc, il n'y a plus de place. Je ne sais pas si ça a circulé dans vos milieux, si vous savez s'il y a des gens qui se sont inscrits. S'ils ne se sont pas inscrits, ce n'est pas grave. Elle va se poursuivre l'an prochain. Ce projet-là, il se continue, si je ne me trompe pas, jusqu'en peut-être 2027 aussi. Je sais pour sûr que l'année prochaine, il y aura d'autres groupes qui vont être formés pour former nos. Puis cette formation-là, Agir en sentinelle, là, ce n'est pas pour les intervenants. OK? S'il y a des intervenants qui s'inscrivent là, ils vont être déçus. Peut-être, Marc, tu as plus d'informations que moi sur Agir en sentinelle. Je ne veux pas prendre la parole, là. Ben, je n'osais pas t'interrompre, mais Vas-y, vas-y.
C'est sûr que l'invitation du ministère de l'Éducation, ben, écoute, l'intention est certainement louable. C'est plus de gens qui reçoivent une formation, une sensibilisation sur la prévention du suicide, mieux notre société va porter. Mais je veux quand même vous sensibiliser que la démarche Sentinelle, c'est quand même une démarche centre, en théorie, ou lieu de travail. Ou, t'sais, l'idée, c'est pas juste de former des individus, mais c'est aussi de se doter d'un plan d'action, d'un réseau. Parce que, tu sais, une personne qui soutient quelqu'un, une personne qui va soutenir une personne suicidaire, ben ça peut être dur aussi, fait que d'avoir quelqu'un à qui a pu s'appuyer. Fait que, en tant que centre, donc, écoute, les inscriptions sont déjà faites, puis, mais tu sais, si ça s'est fait dans vos milieux, si vos milieux ont profité de cette offre-là, moi, je vous inviterais quand même à voir si on peut pas upgrader le centre à devenir un centre Sentinelle. Tu sais, juste voir, est-ce qu'il y a-tu de la place au sein du centre, puis est-ce qu'il y a de la volonté de la direction de se doter de l'ensemble des outils, pas juste des individus qui sont formés, mais aussi d'une réflexion centre, puis d'un plan d'action centre. C'est puis d'une ça, formation, il puis... y a une formation Sentinelle aussi. En fait, les organismes qui soutiennent les Sentinelles, les organismes régionaux, notamment là, pour Montréal, là, que je connais bien, le Centre de prévention du suicide de Montréal, offre du soutien aux centres qui veulent déployer un réseau Sentinelle. Là. Puis je suis sûr que ça doit être le cas aussi dans les autres régions. Là. Oui, c'est sûr, sûr, sûr. Pour ce qui est du ministère de l'Éducation du Québec, effectivement, c'est un premier pas. C'est leur mandat, c'est ça. Et dans le fond aussi, le message, c'est la personne qui a suivi la formation Sentinelle doit être aussi un agent multiplicateur dans son milieu et transmettre l'information slash la formation à une équipe dans son centre. Donc, c'est bien de le préciser, Marc, effectivement. Pour ce qui est de la formation pour les intervenants, donc moi, je trouvais ça quand même assez important là, que nos intervenants dans les centres aient accès à une formation pour prévenir là, je ne me souviens plus exactement, là, ça s'appelait comment, là, mais les bonnes pratiques pour intervenir auprès de personnes à risque suicidaire, là, de mémoire, là. Mais on se comprend. Moi, je l'ai suivi là, 4 fois depuis que je suis psychoéducatrice là, dans la vie, là, parce que je trouve qu'on n'est jamais assez bien préparé pour ce genre de situation-là. Là. C'est pas le fun à gérer. Puis c'est encore moins le fun quand tu ne sais pas comment le gérer. Fait que moi, c'est une des demandes que j'ai adressées là, à ma supérieure au ministère de l'Éducation parce que oui, c'est beau agir en Sentinelle, mais je pense que c'est une formation qui coûte quand même cher. C'est celle de Suicide Action Montréal que j'avais suivie, mais c'est assez dispendieux. Fait que d'y avoir accès un petit peu plus facilement, gratuitement. Tu sais, Marc, je ne veux pas te mettre dans l'eau chaude. Puis j'ai vu aussi qu'il y avait Cathy qui était là, mais je le fais pareil. Il y a aussi vos. Tout avec le projet Épanouir où il y a des demandes de formation qui peuvent se faire. Je ne sais pas si celle-là peut être dans les demandes qui sont faites, mais tu sais, à un moment donné aussi, il faut être capable de se doter de cette formation-là pour nos milieux. Marc. Je dirais qu'il y a des fonds disponibles dans les centres, dans les budgets de la santé publique pour la prévention du suicide, qui n'est pas la même et enveloppe budgétaire que pour les formations. Le OK, parfait, merci. Mais oui, c'est une bonne chose de cogner à la porte de vos directions régionales de santé publique, de vos directions de santé publique pour voir si une partie du budget en prévention du suicide peut être appliquée pour soutenir les intervenants en milieu scolaire. C'est quelque chose que chacun des membres ici peut faire là, auprès de leur. Si vous connaissez les membres des directions de santé publique. Là. Faut savoir c'est qui puis où connaît, ouais. Mais tu sais, si c'est un besoin dans vos milieux, puis c'est un. Je pense que ça vaut la peine de faire la démarche, tu sais. Puis moi, de toute façon aussi, là, j'essaie de voir s'il n'y a pas possibilité d'élargir. Pour le moment, non, mais bref. La dernière fois que je l'ai suivi, moi, c'était pas disponible, mais la formation, maintenant, il y a une partie qui est
je veux dire, autonome en ligne. Et par la suite, il y a un bout qui se fait en salle. Et ensuite, il offre aussi de la supervision. Donc, je n'haïssais pas ça comme modèle d'avoir un premier bout qu'on fait par nous-mêmes parce qu'on sait que le temps n'est pas. C'est ça, on court après lui souvent. Mais puis d'avoir comme, c'est ça, cette partie-là plus autonome, ensuite en salle, puis de la supervision. Donc, voilà. Tu voulais-tu ajouter quelque chose, Marc? Je voyais que ton micro était ouvert. Jusqu'à pour Montréal, on l'a financé, cette activité-là, pour les centres de services scolaires qui voulaient s'impliquer. Fait que là, je vois Marie-Christine, là, je pense que CSSDM, il y a une démarche qui va être faite là, auprès de la direction. Là. OK. CSSMB aussi? OK. Super. Et CSSPI ont été formés hier. Good. Bon, ben ça va bien, ça. Merci pour l'info, Marc. Marc, qui est l'agent, je veux dire agent de proximité, là, mais oui, agent de proximité pour Montréal. Donc, voilà. Sinon, si vous aviez envie de m'écrire... Oui, Marc. Ben, moi, je veux juste faire du pouce. Là. Je vois que Marc est là. Si jamais vous voyez l'offre de formation premiers soins en santé mentale, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la formation. Moi, entre autres, j'ai pu y participer avec Marc de la santé publique. Puis on était plusieurs personnes. La formation générale aux adultes avec un prof, c'est un petit groupe fermé. Et c'est vraiment... comment je pourrais dire, de prendre du recul, c'est vraiment une réflexion super intéressante. Puis plusieurs, des centres de jour, les centres de crise, bon, à Montréal, entre autres, ont été fermés. Donc, on accueille beaucoup d'élèves avec des enjeux de santé mentale, de maladies mentales. On est vraiment un point d'ancrage. Puis c'est tout un bel accompagnement. Du coup, cette formation-là, c'est un 2 jours fermé, là. Fait que c'est ça, je voulais partager la bonne nouvelle. Merci. Merci. Oui, c'est donné à quelques endroits du Québec. Je pourrais vous donner le lien. Je vais mettre le lien dans le chat si jamais pour être à l'affût des formations qui sont données. Merci, Marc. Nous, on l'offre gratuitement. C'est le lien dans le lien que je vous envoie, c'est des formations payantes. Mais peut-être que s'il y a un organisme de votre région qui le donne, peut-être qu'il peut vous l'offrir gratuitement. Là. Super. C'est ça. Pour terminer, conclure la rencontre, j'avais envie, là, on est en train de refaire le site web des SEC qui sera prêt imminemment. Mais si vous aviez des trucs que vous voudriez retrouver sur notre site, des informations, si c'était possible, si vous avez des idées de le mettre dans les notes de la rencontre. Mais si jamais vous avez des idées, peut-être juste les écrire là avant de quitter parce que c'est ça, on est en train de le refaire puis on veut que ça réponde à vos besoins à vous, là, pas juste nous qui mettons des choses qu'on croit pertinentes, mais que dans le fond, ça répond à aucun besoin. Donc, si c'était possible d'écrire dans l'ordre du jour, dans les notes. Les petits points, là, vraiment vite, vite, oui, vite, oui, vite, oui. Vite, 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 vas-y, vite. Vas-y, 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 vite, vite. Il y a deux webinaires qui s'en viennent. Rapidement, le 7 février de 13h30 à 14h30, c'est justement le comment soutenir les compétences socio-émotionnelles en FGA et en FP. C'est donné directement par Claire Beaumont et c'est sur le site des après-cours. Donc, on vous invite en grand nombre à y participer puisque la formation ne sera disponible en rediffusion que pour 30 jours. Donc, ça serait vraiment important. C'est vraiment une formation en accéléré. Et le 20 février, c'est intervenir sur les comportements difficiles. Donc, ça s'inspire de la gestion de classe, qui est un webinaire aussi là, qu'on a déjà donné, qui est aussi une formule de Nancy Gaudreau là, qui a été propagée dans plusieurs centres. Donc, les 5 doigts de la main, là, maintenant, là, c'est avec la paume pour la personne enseignante. Mais mon petit doigt, là, qu'est-ce que je fais là, quand ça pète une coche? Qu'est-ce que je fais avec les cellulaires? Donc, c'est donné par une intervenante de la formation professionnelle qui est Marie-Pierre Beaudoin et qui pourra par la suite, là, elle vient le donner en webinaire, mais pourra par la suite là, faire partie des équipes choc de Karine Martin et venir la présenter gratuitement là, dans votre centre si c'est un besoin.
Puis, dernier point, si vous me permettez, j'ai même pas eu le temps de les voir, c'est tout chaud, j'en ai même pas parlé à mon équipe parce que j'ai reçu les liens hier. Le réverbère, donc, qui est une. Le réverbère. L'abréviation, oui. C'est l'abréviation, là, c'est ça. Pour soutenir, avait fait il y a 2-3 ans un cadre d'action sur les services complémentaires en formation professionnelle super intéressant. Et ce qui se voulait, c'est un peu d'épargne quels sont les services que les élèves en formation professionnelle auraient besoin comme services complémentaires. Ils se sont rendus compte dans cette première partie-là que tant au niveau des professionnels entre eux que les élèves ne connaissaient pas ce que, par exemple, un CO pouvait faire, ce qu'une travailleuse sociale pouvait faire, ce qu'une orthopédagogue pouvait faire aussi en formation professionnelle. Donc, ils ont fait des capsules vidéo et des fiches pour dire qu'est-ce que ça peut faire, ces professionnels-là et ces techniciens-là au niveau de la formation professionnelle. Donc, il y a un lien qui s'adresse pour les élèves et il y a un lien qui s'adresse pour le personnel enseignant. Je sais que ce n'est pas chaque corps de métier qui est représenté, on est bien au courant, mais ce sont les corps de métier qui ont été le plus nommés, donc se sont penchés là-dessus. Donc, je trouvais ça quand même important de vous le transmettre, cette information-là. Recherche de réseau de la valorisation de la recherche sur le bien-être et la réussite. C'est ça, là, on ne peut pas se souvenir de ça par cœur, malheureusement. Bon, trop d'autres choses là, d'importance dans notre cerveau. Fait que j'ai beaucoup apprécié votre partage au début. Merci. C'est toujours super pertinent de savoir ce qui se passe dans vos milieux. Là. Karine Jacques et moi, on se le dit souvent, mais tu sais, on ne veut surtout pas être déconnecté du terrain. Fait que votre rapport est toujours apprécié. N'hésitez pas aussi à nous écrire par rapport aux différents enjeux que vous vivez dans les centres. Nous, on est que 4 à l'accompagnement national, mais on a beaucoup d'amis avec qui on parle et qui ont des belles ressources. Ça va nous faire toujours plaisir là, de vous accompagner au quotidien. Sur ce, bonne journée tout le monde et on se dit à la prochaine. Bye bye!